Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les produits terminés parce que mon sac est plein. Je vais essayer d'arranger la luminosité, le son, tout ça au montage parce que bon bah il fait moche comme partout en France. Voilà. J'ai une tête dégueulasse, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, je commence à être malade. Doudou m'a refilé son virus, donc j'ai très mal à la gorge. Donc je m'excuse pour les bruits qui risquent d'y avoir dans cette vidéo. Je vais essayer d'en couper pas mal, je pense. Mais je vais essayer de monter le son voilà, avec mon logiciel de montage parce que bon, comme d'habitude, Bibou est à la sieste. Mais on va commencer tout de suite parce qu'on sait jamais. Jamais il va se réveiller. Donc, voilà, comme je vous disais, mon sac est plein. Donc on y va tout de suite. Je vais encore être dégueulasse à la fin de la vidéo, ça va être génial. Et oui, j'ai attaché mes cheveux parce que juste j'en peux plus. Vu que j'utilise plus de shampoing avec du silicone, ils font nœud sur nœud et ils sont dans un état pas possible. Donc là, par le coup de ciseau, je peux plus rien faire. Donc j'ai terminé des carrés, maxi carrés, visage et corps, donc pommettes. Donc je les utilisais plus pour moi que bébé parce que bébé il aime pas qu'on lui tape le visage, il aime pas. Enfin, il m'a rien ce bébé. Donc lui, je le nettoie souvent à la lingette parce que tout ce qui est nettoyant il aime pas. Donc voilà, mais moi ceux-ci je les aime bien pour le démaquillage, mais bon, je les achète quand ils sont en promo. Donc c'est la marque Pommette, donc de chez Canter. Encore des cotons carrés, là il y en a que 40 et c'est de la marque Coupe et Coupe en de la marque. Je sais pas de quel pays ça doit venir des pays de l'Est. Mais je l'avais trouvé à Noz pour 59 centimes. Bon, ils étaient pas ouf. J'ai mis mon 40, ça part très vite. Donc si j'en retrouve. Et encore. Enfin, moi j'ai passé à Noz. Ensuite, j'ai terminé une boîte de coton-tige de chez Aldi. Je suis pas fan. Donc c'est par 200. 100% coton, mais. Je les trouve pas de super bonne qualité, donc je pense pas que je vais les racheter. Voilà. Le coton reste quoi sur la tige et enfin je les trouve pas terribles. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant visage de la marque Skin Essential, donc de la marque Alvira, je veux dire, dans la gamme Skin Essential, donc un nettoyant visage pour tout type de peau, la vitamine E, provitamine B5. J'ai détesté l'horreur. Voilà, je suis debout depuis 3h30 du matin, donc c'est compréhensible. Donc, j'ai détesté l'odeur. Voilà. Et il a duré une blinde de temps. J'avais l'impression que plus je l'utilisais, plus il se remplissait, quoi. Ça se vidait pas, j'en avais marre, j'en pouvais plus. Donc, voilà, il mousse bien, mais enfin. J'aime pas l'odeur, j'ai pas trouvé ma peau plus nettoyée que ça en l'utilisant, donc non, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant cils des masques. Donc là, c'est la version waterproof donc de chez Je Mets Maybelline. Pour moi, c'est le meilleur démaquillant biphasé. Voilà. Mais ils mettent comme quoi c'est non gras, mais c'est gras quand même. Mais enfin, c'est le seul qui me démaquille vraiment bien les yeux. Voilà. Donc oui, je le rachète. Ensuite, nous avons terminé un bain douche, un quart de crème donc de la marque Manava, donc marque Leclerc. Il sentait bon, il a duré un bon moment, donc oui, je pourrais le racheter, mais bon, je vais pas me jeter dessus. Peut-être en tester d'autres de la gamme. Mais ouais, on a bien aimé. Et faut alterner. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de la marque Énergie Fruit. Donc shampoing 0 sulfate, 0 silicone, 0 parabène, 0 colorant. Pour les cheveux abîmés, donc c'est au monoeil. Et j'aime pas l'odeur du monoeil. Voilà. Jetez-moi les pierres, allez-y. Mais non, j'aime pas l'odeur du monoeil. Donc c'est en 250 ml, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Mais enfin voilà quoi, il a pas de couleur. Il mousse très peu. Et voilà, ça pue, j'aime pas. Et
t'es zéro quoi, 0% de tout. Donc moi mes cheveux, je voudrais arrêter tout ça, mais enfin ils sont dans un état pas possible depuis que j'ai arrêté. Donc je sais pas. Là je vais les couper, je verrai bien après, mais non je rachèterai pas. Non. J'ai terminé un détachant avant lavage donc de la marque L'Arbre Vert. Et celui-ci, je l'ai bien aimé, il fonctionnait très très bien. Donc si je le retrouve, je le reprendrai, je pense. Donc, respecte tous les types de peau, même les plus sensibles. Et voilà, moi j'ai trouvé qu'il marchait très bien. Donc il m'a duré quand même un petit moment. Donc ouais, je pense que je le rachèterai. J'ai terminé des cotons, ils sont ovales ceux-ci, donc de la marque Alvira, donc Skin Essential, il y en a 50 par paquet, ça vient de chez Action, et non je les rachèterai pas, je suis pas fan du format, ça m'en fait utiliser une tonne, enfin voilà, je préfère les carrés, parce que bon, moi je, voilà, je me charge quand même pas mal les yeux, donc il me faut des gros cotons. Ensuite, on a terminé de la lessive que j'avais achetée à Nose. Donc, c'est la marque Asda, non bio capsule. Je l'avais eu à 2,99€. Donc, pour 30 lavages. Et non, je ne rachèterai pas parce que bon, bah, les capsules, ça ne se désintègre pas entièrement dans la machine. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec des bouts de capsule un peu sur vos fringues, donc vous êtes obligé de relaver. C'est pas très... Non, et ça sent pas... Donc non, je rachèterai pas. Je pense que je vais arrêter les capsules. Mais bon, là j'en ai encore un paquet, marque Supercroix je crois, et enfin il me fait pareil. Je suis pas fan. Ensuite, le doudou a terminé un Helen Shoulders. Donc citrus fraîche, et comme d'hab, il rachète. Mais bon, ça lui dure une blinde. Hein. Mais voilà, il rachète parce que bon, il n'y a que ça qui fonctionne. Mais forcément, c'est ça qui crée les dysfonctionnements à son pur chevelu. Voilà. C'est de la merde. Faut pas utiliser ces trucs-là. Mais voilà. C'est que de la saloperie, ces trucs-là. Il y a plein de sulfates. Du silicone, enfin voilà. Donc non. Et lui il rachète. Ensuite j'ai terminé encore des cotons. Donc là c'est par 60, donc des cotons carrés, donc de la marque Baby Need, donc super soft, made of 100% coton. C'est ceux de chez Action et voilà, c'est ceux-là que je vais racheter maintenant. Ils fonctionnent plutôt pas mal, ils sont vraiment pas chers, donc et là j'en ai plus en stock. Ouais, je vais racheter. Ensuite, on a terminé une huile lavante corps et cheveux de chez Kadom. Donc, c'est le Bonne Nuit Relaxé Apaise Bébé. J'aimais bien au début, mais enfin, voilà, c'est 150 ml. Hein, donc, vous en avez pour un moment. Donc, on le lave tous les deux jours. Pour pas trop lui abîmer sa peau, tout ça, parce que bon, on a une eau vraiment très, très, très calcaire. Et il est beau. Hein? Ah donc c'est à la camomille et à la fleur d'oranger, donc oui il sent bon au début, mais enfin je m'en suis lassée. Là je suis passée au mix à bébé, mais bon là c'est Doudou qui aime pas l'odeur. Donc je sais pas trop où je comprendrai après, mais enfin on aime bien ces formats, même si voilà ça. Là on s'est lassé. Mais ouais je pourrais le racheter même si ça coûte une blinde. Ensuite j'ai terminé. Un déodorant compressé, donc Dove Original, c'est celui que je préfère. Niveau odeur, niveau efficacité, je sais pas trop si efficace que ça. Donc antitranspirant, zéro alcool, mais bon, celui-là, oui, clairement, je le rachèterai parce que j'aime beaucoup l'odeur et j'aime bien en avoir un goût. D'ailleurs, il y en a un deuxième, il y avait celui qui était à la maison et celui qui était au boulot. Voilà. Ensuite, on a terminé un shampoing Milden Ultra Doux, Extra Doux, à l'amande et aloe vera,
Ah, c'est pour les bébés, enfants et adultes. J'avais pas vu que c'était aussi pour les bébés. Mais enfin, c'est nous qui l'avons utilisé, de toute façon, on l'a mangé. Mais enfin, je suis pas sûre de racheter. J'ai pas trop regardé la. Ouais, il y a du sulfate. Il n'y a pas l'air d'avoir de. J'ai pas l'air d'avoir de silicone, quoi, que ça doit être encore masqué sous un autre nom, mais je l'ai. Mais bon, je pense pas que je rachèterai. Faudrait que je me tourne, faudrait que j'aille faire un tour dans une biocoop ou autre, voir un petit peu ce qu'ils ont au niveau shampoing, je pense. Mais non, je pense pas que je rachèterai. Ensuite, on a terminé une crème de douche apaisante. Oh, le packaging est dégueulasse. Donc de la marque Pocabana by Roval, je pense que c'est ça. Donc à l'aloe vera. Il a duré une blinde. Je m'en suis très vite lassée. L'odeur, elle est pas ouf à l'aloe vera, clairement. Donc non, je rachèterai pas. Voilà. Et c'était pas plus hydratant qu'autre chose, malgré l'aloe vera. Ensuite, Doudou a terminé à Mélène. Donc là, le vert, c'est celui qu'il préfère. Je fais des rimes. J'utilise beaucoup de coton, je vous l'ai dit. Il va falloir que je me trouve, que je m'achète des cotons lavables, je pense. Ensuite, on a terminé un Oral-B 3D White Luxe. Diamond Strong. Et... ça fait pas le job, quoi. Voilà. Ça lave des dents et c'est tout, quoi. Faut qu'ils arrêtent de mettre... ça fait ci, ça fait ça, machin. Ça lave les dents et encore, c'est tout. Voilà, donc non. Ensuite, j'ai terminé un biphasé de la marque Advira, donc Skin Essential. Makeup Remover. En waterproof, celui-ci j'ai pas aimé, il se biphasait pas très bien en fait. Les deux phases se mélangeaient pas à des masses et se dissociaient très vite. Donc non, je le rachèterai pas, j'ai pas aimé et il était gras. Voilà. Donc non. Pour l'instant, cette gamme-là, j'en suis pas très satisfaite à part la crème de jour où ça va. Mais sinon, non, je suis pas satisfaite. Ensuite, j'ai terminé un déodorant extra doux à la fleur d'oranger, le petit marseillais. Ça, pour moi, ça sent pas la fleur d'oranger. Je trouve pas que ça sente la fleur d'oranger, j'aime pas, c'est pas, ça fait pas le job. Donc non. Mais bon, c'était un lot de deux, donc j'en ai encore. Mais non, je pue avec ça, donc non. Et j'ai terminé mon Narta invisible. Voilà. C'est anti-transpirant, anti-trace blanche et ma peau commence à en avoir marre, mais j'arrive pas à trouver un qui fonctionne aussi bien. Mais bon, il fonctionne de moins en moins. Donc il va falloir que je trouve autre chose. Mais bon, je l'ai racheté, donc voilà. Mais ouais, celui-là, il fonctionnait très très bien sur moi. Donc voilà pour mes produits terminés. Dites-moi en commentaire si vous utilisez certains de ces produits, si vous avez le même avis que moi ou pas. Voilà. Et dites-moi vos produits chouchou à Action ou voilà. Les produits que vous achetez à chaque fois. Et pourquoi. Donc moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.